Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une sélection de soins que j'ai fait pour vous pour passer un bel été. Donc prendre soin de votre peau, de vos cheveux, de votre bien-être et puis aussi de toute votre petite famille quand vous partez en vacances. Mais avant, j'ai juste une petite chose très importante à vous dire puisque vous êtes vraiment nombreux à nous poser cette question. Vous nous demandez si vous pouvez utiliser vos soins Intimo tranquillement au soleil. La réponse est oui. N'ayez aucune crainte puisqu'aucune de nos huiles essentielles, aucun de nos soins naturels, aucune de nos huiles de massage n'est photosensibilisant. Donc, pas de crainte, appliquez vos soins comme vous le faites habituellement. Simplement, il faudra peut-être rajouter une protection solaire par-dessus, par exemple, votre sérum visage. Voici donc les soins que j'ai sélectionnés pour vous pour passer un bel été. Le premier soin dont je souhaite vous parler, c'est l'huile pour le corps satinée Sublime. Donc Sublime est une huile pour le corps à l'immortel. Alors double dose d'immortel, puisqu'en fait à l'intérieur vous avez d'une part la macération solaire d'immortel et également notre huile essentielle d'immortel. Alors pourquoi? Ça c'était vraiment d'abord purement olfactif. Je trouve qu'on a du mal à retrouver, quand on utilise uniquement l'huile essentielle d'immortel, l'odeur de l'immortel qu'on aime tant, celle qu'on a dans le maquis quand on sent l'immortel avant même de l'avoir. C'est difficile de reproduire cette odeur uniquement avec l'huile essentielle. Donc la petite astuce pour nous, ça a été de produire une macération solaire où là vraiment l'immortel rend toute cette belle odeur dans l'huile d'olive que nous utilisons pour le macérat. En dehors de ce macérat d'immortel en huile de base, nous utilisons le jojoba et le cardamome, qui sont donc deux belles huiles végétales assez précieuses et qui vont œuvrer justement pour nourrir, réparer votre peau. Donc là, c'est votre après-soleil. Sublime va venir vraiment apaiser, nourrir votre peau. Et puis en plus de ça, elle peut venir aussi la sublimer. En effet, à l'intérieur, nous avons mis des petits mica. Donc, ce sont des extraits minéraux 100% naturels. Donc, si vous agitez votre flacon, vous allez obtenir une huile irisée, satinée, qui viendra donc sublimer un bronzage, un décolleté. Alors, c'est juste accrocheur de lumière, hein. Ne craignez pas de devenir une boule à facettes, vous n'allez pas briller de mille feux, ça n'est pas l'objectif, ça reste très subtil. Et puis si vous ne voulez pas ce côté satiné, parce que par exemple vous êtes habillé plutôt dans une couleur claire, eh bien dans ce cas-là, vous n'agitez pas votre flacon et vous aurez l'huile sans les micas. Voilà, donc sublime votre après-soleil de l'été, donc pour toutes les amoureuses et tous les amoureux de l'immortel. Ensuite, je souhaite vous parler alors d'une autre huile pour le corps qui s'appelle cette fois donc Exigeante. Exigeante a une belle synergie, une belle concentration en trois huiles essentielles, donc romarin, myrte et genévrier nain. Donc dans l'idée en fait de drainer, de lutter contre les rétentions d'eau et aussi de faire une détox. Donc là, on est dans un soin qui va à la fois lutter contre les imperfections et notamment l'effet peau d'orange, hein, qu'on n'aime pas avoir quand on commence à mettre des shorts, des petites jupes, etc. Et puis aussi à lutter contre l'effet des jambes lourdes. Donc pour retrouver des jambes légères, exigeantes, c'est vraiment l'idéal. Je vous parle de ma propre expérience, mais en fin de journée, de marché, de foire, comme on peut faire d'habitude sous cette chaleur, et en plus on piétine. À la fin de la journée, moi j'ai des jambes qui ressemblent juste à des poteaux. Et bien c'est vrai que voilà, appliquer Exigeante pour moi le soir, ça me soulage énormément et je sens tout de suite un effet réparateur où je retrouve enfin ma cheville normale. Donc vraiment, je vous le conseille aussi pour récupérer des jambes légères. Ensuite, je vais vous parler des soins à base d'aloe vera. Donc là, nous sommes dans les soins visage. Nos fluides hydratants à base d'aloe vera, qu'on appelle aussi d'ailleurs les oléogels. Ces oléogels sont très publicités par la Slow Cosmétique et notamment par Julien Québec qui aime beaucoup leur pouvoir à la fois
hydratant et nourrissant, puisqu'on a d'une part l'aloe vera qui est un humectant, donc qui va retenir en fait l'eau dans votre peau, et puis aussi ils sont composés d'huile végétale, donc pour éviter aussi le côté trop tenseur de l'aloe vera, les fluides à base d'aloe vera, leur avantage justement c'est d'avoir une texture très très légère qui va fondre littéralement sur la peau. Donc, pour toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser un sérum Intimo le matin pour nourrir et protéger votre peau, je vous invite pendant l'été ou en tout cas pendant les grosses journées de chaleur que nous allons avoir à intervertir l'application. Habituellement, ces fluides à base d'aloe vera, je les conseille plutôt en application pour le soir. Et bien là, je vous propose de changer. Appliquez votre fluide à base d'aloe vera le matin. Et vous allez nourrir votre peau avec un sérum huileux plutôt le soir. Et justement, ça va être très récupérateur pour votre peau si elle a pris le soleil pendant toute la journée. Si vous ne craignez pas, si le sérum vous convient, ben ne changez pas vos habitudes. Mais là, c'est vraiment une réponse que je souhaite apporter aux personnes justement qui craignent un petit peu le fait de s'appliquer une huile le matin. Pour savoir comment choisir plutôt minutieuse ou plutôt distinguée, c'est tout simple. Minutieuse, c'est le sérum des peaux mixtes à grasse. Distinguée, le sérum des peaux mixtes à très sèche. Vous le comprendrez en lisant leur composition. Hein, si vous allez justement sur la catégorie ces deux saisons, vous allez bien comprendre les deux utilisations. Comme un soin chez Intimo ne va pas avoir une seule fonction, sachez que ces fluides à base d'aloe vera, vous allez aussi pouvoir l'utiliser par exemple pour apaiser une petite piqûre d'insectes, pour appliquer également peut-être sur un petit coup de soleil. Ben voilà, c'est réparateur l'aloe vera, on le sait, donc quand on comprend en fait ce que contient le soin, eh bien, on peut complètement se l'approprier et aussi l'utiliser pour d'autres raisons. Le soin dont je souhaite vous parler dans cette sélection de vos indispensables de l'été, l'huile de massage Colombe. Colombe, c'est une huile de massage qui contient du macérat d'arnica, du macérat d'immortel et trois huiles essentielles. Immortel Corse, hein, la nôtre bien entendu. Le pain Lariccio, c'est un pain endémique, le Lariccio. Et puis le laurier noble. Cette forte concentration et cette synergie d'huiles essentielles et d'huiles végétales va avoir une action extrêmement bénéfique sur la décontraction musculaire. Donc c'est sa fonction première, vous allez pouvoir l'utiliser après avoir fait du sport pour éviter les courbatures ou les faire diminuer. Donc après une randonnée par exemple, après avoir fait du paddle, enfin ou une activité que vous faites habituellement et que là vous répétez en été, eh bien l'huile de massage Colombe est vraiment salvatrice. On peut l'utiliser avant l'effort également pour échauffer un peu les muscles, même si ça n'empêche pas l'échauffement traditionnel que vous faites bien entendu. Mais là encore, cette huile Colombe, on va pouvoir la sortir un petit peu de sa première fonction, se l'approprier différemment et la glisser dans sa trousse à pharmacie pour l'été. Vous allez pouvoir l'utiliser à nouveau sur une piqûre d'insectes, même une piqûre de méduse dans ce cas, même si une goutte d'huile essentielle d'immortel pur dessus aura un effet plus fort sur le coup. Mais ensuite, par la suite, vous pourriez tout à fait appliquer Colombe. Pour tout ce qui est tendinite, douleur musculaire, douleur articulaire, donc courbature, je l'ai déjà dit, les épaules qui sont tendues parce que peut-être qu'on est stressé, parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant de partir en vacances, justement. Voilà, donc pour toutes ces douleurs, sachez que Colombe a un effet, alors d'abord antalgique, donc antidouleur, quasi immédiat. Donc ça, c'est très, très appréciable. Et ensuite, le côté anti-inflammatoire du reste des ingrédients de cette huile va venir vraiment vous soulager. Donc ça, Colombe, c'est une huile que vous devez avoir avec vous. Et vous allez voir, vous allez pouvoir la sortir assez souvent en été pour les petits maux du quotidien.
Maintenant, parlons un peu cheveux. Donc là, les cheveux sont mis à rude épreuve hein, avec l'été, la plage, le soleil, etc. Donc il va falloir les protéger et puis aussi probablement les réparer. Donc c'est là qu'intervient notre huile vigoureuse, une huile réparatrice pour cheveux qui contient notamment de l'huile essentielle de laurier. Et en base, vous avez du ricin, de la bourrache, du pépin de raisin, donc des huiles végétales extrêmement réparatrices et bénéfiques pour les cheveux. Vous allez l'utiliser avant votre shampoing en bain d'huile et vous allez pouvoir aussi l'utiliser après votre shampoing sur cheveux secs et mouillés, uniquement sur les pointes pour gainer un peu le cheveu et éviter aussi l'effet paille que l'on peut avoir souvent l'été. Vous le trouverez dans un petit duo cheveux. L'huile vigoureuse est accompagnée de l'eau florale de romarin. Ben oui, cette eau florale de romarin, elle est vraiment super pour éviter par exemple les démangeaisons, pour remouiller des cheveux, pour les mettre en place, simplement pour les faire briller. Voilà, c'est un duo vraiment gagnant que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Et puis l'avantage aussi, c'est que l'eau de romarin, ben, on va pouvoir aussi l'utiliser directement sur le visage. Vous savez, hein, chez Intimo, on plébiscite énormément les eaux florales. Les eaux florales, les hydrolats, c'est des indispensables, pas qu'en été. Mais effectivement, l'eau florale, on va pouvoir l'utiliser aussi comme rafraîchissant pendant la journée. Hein, vous pulvérisez quelques sprays d'eau florale sur votre visage, ça va vous rafraîchir. Même sur un maquillage, hein, le brumisateur est très fin, donc ne craignez pas des gouttelettes éventuelles. C'est rafraîchissant, c'est tonique, c'est vraiment une eau que vous devez avoir avec vous pour les vacances, mais aussi au bureau. Et celle de romarin en particulier, puis c'est très tonique, ça va réveiller aussi votre esprit. Voilà, je vous souhaite une belle découverte de tous ces soins que vous allez pouvoir utiliser en été. Si vous avez la moindre question, vous savez que je vous réponds sur intimo.fr. Je vous souhaite de passer un très bel été et à bientôt. Pour voyager léger, découvrez aussi notre kit au format voyage. Vous allez pouvoir conditionner vous-même vos indispensables de l'été.